toute ressemblance avec des personnages réels n'est que pure coïncidence, bien que, souvent, la fiction rejoint la réalité. Personnage numéro 1, voici son histoire. C'était après un nouvel entraînement sadique où la transpiration est révélateur d'efforts physiques. Ma gorge sèche réclamait une fraîche boisson. J'avais la face sauvage, lèvres blanches, mais bref, passons. Sans équivoque, je m'arrête au premier snack. Premier menu que je rate apaisera l'ordre, donc je m'en moque. Au comptoir, une connaissance m'interpelle. Un rire sort de ma gorge en parlant de son teint pâle. Une poignée de main personnalisée par deux amis. Suffit une discussion désinvolte de deux hommes. Dans l'enceinte, deux voix augmentent en décibels. Je voulais rentrer à la messe, retrouver ma douce si belle. J'emporte mon pactage dans un transparent sachet. Mes intentions étaient transparentes, faut que vous le sachiez. Dans le brouhaha, mes yeux éclaircissent, brouillard. C'est alors que je reconnais un de nos meilleurs lascars. L'embrouille atteint son sommet, les deux et sept s'assommaient. Un ennemi arrogant, ça s'ignore ou ça soumet. Dans ce combat désordonné, l'ennemi appelle sa troupe. Pour donner de l'équilibre, nous aussi on s'attroupe. De camps qui s'affrontent dans l'improvisé champ de guerre. Tout est permis, plus rien ne se fait à la régulière. Tous pour un, mais une lame me fait souffrir seule. Je voulais remplir ma pensée telle que se vide au sol. La vie s'arrête comme elle commence, dans les cris et dans le sang. Réagit au premier coup de sang, elle contredit le bon sens. La vie s'arrête comme elle commence, dans les cris et dans le sang. On pleure ceux qui reposent au sommeil, d'un sommeil n'est plus glaçant. Personnage numéro 2, voici son histoire. C'était lors d'une balade nocturne, la veille d'une élection et d'un appel aux urnes à bord d'un véhicule classé haut de gamme, attirant le regard des jaloux et des femmes. Notre conducteur avait quelques bubines en trop. Quand on avait 8, comment faire pour rentrer au trop? Je racontais qu'au snack, un ami voulait se nourrir. Et en fait vivre, c'est aléatoire comme mourir. Nous étions énervés, nous étions survoltés. Mais les souvenirs éternels arrivaient à nous calmer. La conversation allait de rien à la rigolade. Nos barres de rire exprimaient la joie des camarades. Au feu rouge, un autre bolide s'est rapproché. Le rival allemand avait les crocs bien aiguisés. Sans un mot, le discours était clair. Le feu vert préparait une course spectaculaire. Les troupeaux de chevaux s'impatientaient sous les capots. Une démonstration de puissance ressortait par le capot. Dans notre fusée, The Game était l'ambiance. Soudain, le feu vert nous mit en transe. Accélération instantanée, tout le monde collé au siège. 100 mètres plus loin, aussi qu'il était chaud comme la neige. Le piéton qui traversait n'était pas dans la confidence. D'urgence, on l'esquive, mais pour nous, y'a plus d'urgence. La vie s'arrête comme elle commence, dans les cris et dans le sang. Réagit au premier coup de sang, elle contredit le bon sens. La vie s'arrête comme elle commence, dans les cris et dans le sang. On pleure ceux qui reposent dans le sommeil, dans le sommeil n'est plus glaçant. Personnage numéro 3, voici son histoire. C'était après une soirée cinématographique. Encore une pellicule où la cible est l'Amérique. Destruction programmée par l'ennemi machiavélique. Mission impossible pour le héros patriotique. Bref, je sors de la salle avec ma conquête de la semaine. Rallume mon portatif pour une reconnexion humaine. Ma boîte enregistre c'est vite comme une noix de coco. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas reçu l'appel du poteau. M'appeler après son entraînement pugilistique était notre accord, avec lui y'a pas de minique. Certains disent que son talent est hors limite. On voit en lui un futur mondial même olympique. Je m'occupe de ma belle même si ce manque de nouvelles m'embête. Ce soir c'est le week-end avec l'ami, j'ai autre chose en tête. En tournant la tête j'aperçois les nuits du quartier. Une virée nocturne, trois de mes potes escortés. Absent de leur champ de vision, je continue mon chemin. L'échange verbal est bon, le feeling passe bien. Toujours pas de nouvelles, je compose un SMS. Erreur fatale, sans vérifier je traverse. Je lève les yeux, une voiture m'esquive à toute vitesse. Sa course est stoppée par un arbre de manière sèche. Ce que j'ai vu était vraiment moche. Pas le temps de reprendre mon souffle, un bolide allemand me poche. La vie s'arrête comme elle commence, dans les cris et dans le sang. Réagit au premier coup de sang, elle contredit le bon sens. La vie s'arrête comme elle commence, dans les cris et dans le sang. On pleure ceux qui reposent dans le sommeil, dans le sommeil n'est plus glaçant. On dit que la vie ne tient qu'un fil, ça c'est vrai. On nous rappelle combien il est temps.
peu pour que tout s'arrête. Ça c'est vrai. Et qu'il suffit de rien pour que tout bascule en un instant. Je suis en mode survivor. Je crois que la vie a plein dents, je suis un caniveau. Je mène tous mes combats et vis chaque minute comme si c'était la dernière.